Ça fait une heure que tu te peignes le visage. Tu as jamais utilisé combien de pots de peinture comme ça? C'est la pression de pas que tu me mets sur le corps comme ça. Voilà, mon chéri. Je suis prête. Alors, comment tu trouves ma tenue? J'ai dit, hein, c'est quoi ça? Tu veux sortir avec qui et aller où habillé comme ça? Je te rappelle que c'est le mariage de mon collègue Roger, hein, et je ne vais pas aller avec toi habillé comme ça. Ce n'est pas la sorcellerie que c'est quoi? Jacounte, il y a quoi sur mon habit? C'est quoi ton problème, Jacounte? Qu'est-ce qu'il y a de mal sur ce que j'ai porté? Il y a quoi, hein? Il y a quoi, hein? Hein? Tu es là bien comme une hôtesse mini-ferme, avec le make-up des voitures volées. Et comment toi tu connais comment les hôtesses de mini-ferme s'habillent? Non mais franchement, ça c'est même que marchandise ça. Ça c'est que poisson ça, Chikunte. Tu as vu quoi sur ma tenue ce matin? Donc tu veux que mon habillement, c'est l'habillement des filles de mini-ferme? Tu as fini ta récitation. Va me charger ça. Maman, c'est pas de ma faute si tu es villageois. Hein? Donc tu penses que là où tu es là, tu es trop chaud quoi. Tu penses que tu as tué l'habillement. Bobikai, va m'enlever ça. Va m'enlever ça. C'est une quelle machin tout ça même. Et dépêche-toi. Avec le rouge, rouge, on va marcher, les bœufs vont commencer à nous suivre en route. Je suis prête. On peut partir. Gobikai? Non, 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 non. Je ne vais pas être habillée comme ça. C'est quoi ça? Va me changer. Va me recharger ça. Va me recharger. Je t'ai fait quoi, non? Ce n'est pas la sorcellerie que c'est quoi. Je t'ai fait quoi? C'est même quoi ton problème? Tout à l'heure, tu as dit que mon habillement, c'était l'habillement des filles, des mini-femmes. Maintenant, l'habillement, c'est l'habillement de quoi? Hey. Pardon, alors il est déjà 13h. Yeah, mon Dieu. Gobikai, va me recharger ça. Je ne parle pas avec toi comme ça. Va me recharger ça. Je t'ai même fait quoi, non, maman? Je t'ai fait quoi? C'est pas possible. Ça? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai même fait pour mériter ça? Ça? Non, je suis prête. On peut partir.
Oui, allô? Oui, pardon, dis à Roger qu'on ne vient plus. Que ma femme a eu un malaise là, pardon, elle convulse même jusqu'à... Je tremble même comme ça. Oui, amusez-vous bien. Merci. Je suis en train de convulser. On ne parle plus. Putain, je suis fraîche. Je suis en train de parler, non? Ne te parle pas. C'est quoi ton problème? Tu veux quoi? Tout à l'heure, j'ai mis ma jolie robe, tu as critiqué, mon pantalon, tu as chassé. Maintenant, je m'habille ma veste, je m'habille en combat, je mets la veste et ma chaussure. Tu commences encore à te plaindre. C'est quoi ton... Tu veux quoi? Tu veux que je m'habille comment? Gobikai, la robe rouge que tu as mise tout à l'heure, là, c'était pas ce que je voulais. Elle est arrivée au genou. Comme si ça ne suffisait pas. Tu pars, tu mets le jean avec le haut, tu es western. Pour couronner le tout alors. Tu mets le cabas, tu prends ma veste, tu poses encore dessus, tu prends ma chaussure, tu mets en bas. C'est comment? Au début, quand j'étais connu, tu te mettais en valeur, Gobikai. Tu avais tes choses là que vous avez, on appelle ça quoi? Tes mini crop top là. Hein? Tu avais les bustiers de l'heure là. Quand tu passais seulement, on avait de regard que sur nous. Aujourd'hui, tu es devenu quoi? Comme le bananier mort. Et tu crois que c'est avec ça que je vais marcher? On excuse la vie des gens. Tout mon habillement que j'avais tout à l'heure était moussu. En tout cas, toi-même, décris comment tu veux que je m'habille pour qu'on parte au mariage. Parce que moi, je ne veux pas rester ici, je veux partir à la maison. Je dois dire ça combien de fois? Habille-toi sexy. Donc, t'as dit que moi, avec ma carrure et ma posture d'aujourd'hui, là, je vais m'habiller comme avant. Je mets un tricot qui va mettre ma petite poitrine en valeur, mon dos dehors. C'est ce que tu veux que je mette? Un goyon. Tu es en France. Donc, je pense que moi, mon état, à mon état, à ma carrure, je vais encore m'habiller comme ça. Dans tes brèves, tu es libre. Tu es toujours dehors, non? Tu es libre, va chercher celle qui va mettre même les lèches-culs là. C'est pas moi qui vais porter ça. Regarde-moi celui-là. Oh, top. Même ma mère est plus sexy que toi. Yes. Les gars d'Afrique sont si chauds.